Pierre Laval est une figure politique emblématique de la collaboration. Il a en effet été chef du gouvernement pendant une bonne partie de cette période sombre de notre histoire. Et souvent, il est présenté comme un collabo de gauche, souvent utilisé par certains du coup pour dire « Regardez, c'est la preuve que les collabos étaient de gauche ». Mais quand on étudie le parcours de Pierre Laval, si en effet il a commencé sa carrière à gauche, ben quand en 1940 il arrive au pouvoir sous le régime de Vichy, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il a rejoint la droite, qu'il gouverne essentiellement avec la droite et qui se présente aux élections avec le soutien de la droite et qui me semble alors assez malhonnête de le présenter comme un homme de gauche quand ça fait plus de 10 ans qu'il est élu avec la droite et que ses principaux adversaires sont de gauche, qu'il a été l'anti-Front populaire absolu, que ce soit en 1936 lors de la campagne des élections du coup législatives ou par la suite. Mais si vous voulez en savoir plus à ce sujet, sur le parcours politique de Pierre Laval et son positionnement politique, nous avons fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en description et je vous invite à aller la voir sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre.